chez vous Stevie Boulet. Bonsoir. Philippe Vandel. Christine Bravo. Caroline Diamant. Christophe Alévèque. Et Roger Zabel. C'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Bah, écoutez, j'ai l'impression d'être avec une armée de croque-morts. Quoi? Vous, non, allez à, vous allez à un enterrement ou on quoi? Vous a, ouais, on vous a pas dit pour Claude Sarraute? Oh non. J'ai eu Claude ce matin, il va très bien, il vous embrasse, Christine. Tant mieux, parce que... Elle m'a dit, alors, elle a encore perdu 3 kilos? Eh bien oui, je lui ai dit. Je lui ai dit oui. Fais du sport. Pas de régime, uniquement du sport. Mais alors vraiment du sport, hein. Il faut faire des pompes. Ah oui, ouais. À qui? Moi j'en fais, mais ça marche pas. Il faut faire des fentes. C'est quoi? Ah ouais. Ah bah oui. C'est vrai. Attends, fais-nous une fente. C'est bien, mais c'est crevant. Mais non, alors, c'est ça les fentes. Ah, regarde, hey, c'est comme ça. Attends, quand même, regarde. Un plot. Attention, ton jean. Attention, le jean. Ton jean va péter. Et en souriant. Attends. Fais des pompes, voilà, maintenant. Et ça raffermit les fesses. Ouais. Et alors les pompes ça, quoi? Fais une, des pompes, capable, tu vas voir. Qu'est-ce que j'en mes pompes? Combien tu fais de non. Ah, non. Des pompes, non, c'est dur, les pompes. Passons tout de suite à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de la carte vitale 2 qui sera mise en service bientôt à partir du mois de novembre prochain et qui présente la grande nouveauté par rapport à celle qu'on avait jusqu'à maintenant, d'avoir une photo incorporée afin de lutter contre les fraudes et les abus qui s'étaient généralisés au fil des ans avec la carte vitale que nous avions pour l'instant. Alors effectivement, le problème de l'actuelle carte vitale, celle qu'on avait, c'est qu'on pouvait frauder, et comme l'explique l'article du Parisien, on pouvait surtout frauder, il nous explique tout, c'est ça qui est génial, en y allant avec la carte vitale d'un copain ou un copain qui va à la place, puisque les pharmaciens refusent de demander la carte d'identité. Voilà, c'est bien de nous rappeler tout ça, parce que vous avez jusqu'au mois de novembre pour le faire encore. Hein. Oui. C'est quand même fou. C'est incroyable. Alors du coup, évidemment, avec la photo, ce sera beaucoup moins pratique pour frauder, c'est vrai. Hein? Sauf si on prend celle de son copain, évidemment, comme photo. Non? De son copain. Mais non, parce que votre copain, il prend qui? Il suffit de penser à prendre une photo de groupe dès le départ. Ah oui. Ah oui. La carte vitale des bronzés, par exemple. Ouais, par exemple. Un autre conseil pour la photo, ayez l'air très malade sur la photo, vous serez remboursé plus vite. Allez, il est temps de passer à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et on commence avec le voyage, évidemment, de Nicolas Sarkozy à New York et la fameuse poignée de main avec George Bush. C'est le dessinateur Honoré qui nous signe ce petit résumé dans Charlie Hebdo. Sarko fait un saut à New York. Merci, dit Sarko, c'était juste pour la photo. Sur le même sujet, un dessin de T-News dans l'hebdomadaire. Marianne, Sarko reçu à la Maison-Blanche. Et le président américain lui dit « Pourquoi Hutch n'est pas avec vous ?» Vous avez compris, hein, Christine? Est-ce que vous avez compris? C'est ce que Sarko et toujours dans Marianne, le dessinateur Aurel revient lui aussi sur cette rencontre entre Bush et Sarkozy. Et Sarkozy fait tout le voyage. Pourquoi? Pour entendre Bush qui lui dit « Comment va Ségolène ?» Pardon, oui. On dirait Hollande. Ouais. C'est vrai que Sarkozy est raté sur ce dessin. Ah oui, bah oui, ah, ouais. Portrait de lunettes. Ouais. Je trouve que ça lui va bien d'être raté. Ouais. Dans le Canard enchaîné, le Fred Touron nous illustre la réaction du couple Chirac après la publication de la photo Sarko-Bush. Et on voit Chirac qui dit à Bernadette « Il faut absolument faire mieux que lui ». Alors Bernadette fait bah, deux photos peut-être. Et on termine sur ce sujet avec Pétillon, toujours dans le Canard enchaîné, c'est en trois cases, et cette fois c'est après la rencontre Sarkozy et avant la rencontre Bush-Chirac. Et là il y a le président des États-Unis qui dit à Condoleezza Rice, est-ce qu'il veut une photo lui aussi, Chirac, comme l'autre là, comment déjà, Chartini, Charpizi, Sarkozy, monsieur le président, ah oui, Sarkozy. Une photo est prévue, dit-elle, oui, avec monsieur Chirac. Les Français aiment bien se faire photographier avec moi, dit le président. Et il conclut, alors que les Américains, de moins en moins. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On passe à gauche, où le doute subsiste sur la candidature de Lionel Jospin à l'investiture du Parti Socialiste. Le dessinateur Grosse nous signe ce dessin dans Marianne. Regardez, Jospin, candidat à la candidature. Et si vous n'êtes pas choisi, lui demande quelqu'un, ben, je me retire de la vie politique. Ah. Il nous aurait pas déjà fait coup.
Dans le Canard enchaîné, c'est Cardon qui nous fait un petit état des lieux du Parti socialiste à la mi-septembre. Faut bien voir le dessin parce que c'est un manège. Il y a des éléphants dont les morceaux partent petit à petit, puis il n'y en a qu'une qui reste sur sa balançoire. C'est Ségolène. Retour à droite avec Pétillon dans le Canard enchaîné qui est revenu, lui, sur l'interview de Jacques Chirac par Jean-Pierre Elkabbach. C'était lundi dernier sur Europe 1. Et on voit Elkabbach qui est face au président et qui lui demande « Est-ce que vous allez vous représenter ?» Et le président dit à Elkabbach « Oh, comme tous les jeunes, vous êtes impatients. Hein. » Christophe ? Il va y aller. On revoyait Jospin avant. Il faudrait qu'on prenne des paris ici, parce qu'après, c'est toujours voir celui qui a le nez creux. Moi, je pense que Chirac va y aller, que Jospin va y aller. Ça fait plusieurs semaines que je vous dis qu'on risque de taper un débat, enfin un duel, Jospin-Chirac. Ah, hein. T'es d'accord avec moi, comme quoi, tu vois, pour là, on est d'accord. Là, on... Oh, punaise, moi, je ça s'arrose. Il y a longtemps que c'était pas arrivé. Je pense qu'en fait, Chirac ne reviendra que si Jospin gagne l'investiture socialiste, parce que la seule chance de Chirac de gagner, c'est que ce soit Jospin qui soit candidat. Si c'est contre Ségolène Royal, il sera pas assez fou, il ira et on verra l'autre, Sarko, quoi. Voilà. Ah, non, t'as réfléchi, hein. Non, vous croyez pas, Lubec? Oui, c'est très cool. Moi, je serais pour supprimer la présidentielle. Mais si, regarde. Non, mais c'est mon bourg. Tous les invités politiques qui viendront à l'émission, je leur poserai tous la question. Je trouve que cette présidentielle est en train de déraper. Le débat devient de plus en plus à l'américaine. C'est-à-dire, il n'y a plus de débat. On voit que pour l'instant, il ne se passe absolument rien. On se renvoie des photos dans la presse. Donnons le pouvoir à l'Assemblée nationale. Nous, on les élit. Eux, ils travaillent. Il y a un Premier ministre, éventuellement un président comme c'est ça qui va... Comme en Italie. Oui, c'est ça, pas con. Allez, mec, président. Allez, mec, voilà. Président. Alors, si c'est pour rien foutre, j'y vais. Dans Charlie Hebdo, Charb nous annonce le dernier grand chantier du président Chirac. Éviter la tôle. Non, mais c'est vrai. Dans Charlie Hebdo, le dessinateur Charb revient sur les menaces du numéro 2 d'Al-Qaïda contre la France. Il dit « Remettez le film du dimanche soir sur TF1 ou sinon... » C'est drôle. Jules, dans Charlie Hebdo, revient à lui sur les excuses du pape après son dérapage anti-musulman. « Vous allez rire, dit le pape, j'ai confondu avec les juifs. Oh, » ça, c'est drôle. Sur le même sujet, le dessinateur Delambre dans Le Canard enchaîné, on voit les extrémistes qui prennent Benoît XVI au mot. Il y en a un qui dit « Dans Ratzinger, il y a guerre ». Un autre extrémiste maintenant, le président iranien, TNews nous le montre dans Marianne, en train d'expliquer les raisons de son antisémitisme. Il dit ça a commencé par une dispute avec Elise Moon. Un dessin de Vooch, puisque c'est le dessinateur préféré de Christine Bravo. Regardez bien, Christine, ce dessin. Tu sais, je vois rien. On voit un grand panneau au milieu d'une forêt. Il y a deux personnes en bicyclette qui s'arrêtent devant le panneau. Et sur le panneau, c'est écrit « Ici, le Conseil général a réintroduit, par erreur, un alligator. » Ah, on le voit pas. Quoi ? L'alligator, on le voit pas. Non. C'est drôle. Eh ben, ça me fait pas rire. Oui. Mmh. Il peint bien l'automne. Il peint bien l'automne. Ah, voilà. Ouais. Je trouve que c'est plus un peintre. Elle est désespérée, moi, je vous le dis. Non, mais attends, te la pète pas non plus. Ça te fait mourir de rire, ça. Oui, mais alors moi, quand je comprends pas, et du coup que je ne ris pas, tu vois, je la ramène pas. J'ai rien dit, c'est lui qui m'attaque. Oui, Roger. Si tu veux, c'est un peu comme quand on dit « tu vois le loup ». Et des opinions, lui aussi, ça. Vous voulez deux petits dessins de Philippe Gueluc pour terminer? Oui. Ah, voilà, regardez ce dessin de Philippe qui nous montre le chat, qui nous explique. On dit que quand on va mourir, on revoit le film de toute sa vie. Le moment est alors venu de commander mon dernier Esquimau. Ah, ça, c'est bien. Bien autre, très court, le même chat qui nous dit « Beaucoup de gens naissent très jeunes ». Un Huron à l'Assemblée nationale, c'est le nom du livre paru aujourd'hui aux éditions privées. Livre de celui qui a été élu à l'âge de 29 ans, plus jeune député de France, Laurent Wauquiez. Pour ceux qui l'ignorent, le Huron n'est pas un imitateur disparu dans les années 80, mais un personnage créé par Voltaire. Et c'est avec le même regard neuf et parfois candide du héros voltairien que Laurent Wauquiez, le député, raconte, non sans humour, le fonctionnement de la vie politique française et son quotidien de jeune élu de Haute-Loire à l'Assemblée nationale. Laurent Wauquiez prône la transformation des institutions et des hommes politiques. Pour en parler avec lui, accueillons tout de suite l'auteur d'Un Huron à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez. Bonsoir, bienvenue. Je
Je suis ravi de vous recevoir parce que, bon, au début, ça m'a énervé, votre nom. Hein. Je prononçais le Z exprès pour pas que ça fasse Laurent Wauquiez. Parce que, bon, c'est très pratique pour moi quand je veux avoir une table au restaurant. J'ai toujours beaucoup de mal à avoir des tables au restaurant. Et je dis Laurent Wauquiez. Et les gens pensent que c'est le député. Et j'ai une table tout de suite. Alors, moi, je vais vous dire, quand moi, j'ai commencé ma première campagne électorale, j'ai un nom qui est assez compliqué à comprendre. Et je me présentais, et à la fin, les gens venaient me voir et me disaient, c'est marrant, vous ressemblez pas à votre image à la télé, vous avez l'air plus sympa à la télé. Voilà. Et ben voilà, enfin réunis. Donc, je suis très content d'être avec vous. On ne prononce pas le Z, hein, donc on ça c'est certain. Bon alors, un huron à l'Assemblée nationale, petit manuel à l'attention de ceux qui veulent secouer la politique. En fait, c'est cette expérience depuis 2 ans maintenant au sein de l'institution suprême pour un jeune homme politique, l'Assemblée nationale, que vous aviez eu envie de raconter. Oui, en fait, il y a deux choses que j'avais envie de raconter. La première, c'est que je pense que personne ne sait vraiment ce que fait un député. Ils ont l'impression qu'on roule dans des grosses safranes, qu'on ne sert pas à grand-chose et que de temps en temps, on s'étripe devant les caméras de télévision le mardi et le mercredi. Et ce que j'ai voulu expliquer, c'est tout simplement voilà ce qu'est la vie quotidienne au jour le jour d'un député. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que quand on arrive dans un endroit comme ça, c'est très facile de se faire prendre par le système. Et je me suis dit, c'est pas mal de s'obliger à prendre un recul et de se dire, qu'est-ce qui me choque? Qu'est-ce qui vraiment marche sur la tête? Qu'est-ce qu'il faut secouer pour la suite? Christine, voilà. Bravo. Bah, c'est vraiment le huron, quoi. Alors, je m'attendais pas du tout à vous voir comme ça physiquement. Je pensais que vous aviez un côté plouc, nunuche. Non, pas du tout. Parce que, mais oui, en fait, vous êtes beau mec. 1m95. Non, il est beau mec. Il est marié. Hein. Je m'en fous, je suis pas jaloux. Il est en page 3 du calendrier. Alors, c'est vachement bien, c'est très sympathique, c'est très naïf, comme le Huron de Voltaire, c'est-à-dire qu'il était un Indien qui avait un regard sur la société, donc un peu décalé parce qu'il ne connaissait pas, donc il fait pareil avec l'Assemblée. J'ai beaucoup aimé, c'est un jeune homme de bonne famille, je présume, et qui est entré en politique, j'ai envie de dire, comme on rentre en religion. La preuve, il annonce ça à ses parents, il y a un silence. Il aurait pu annoncer soit je suis gay, tu vois, faire un coming out, ou soit je rentre dans les ordres. Et pire, il aura dit je suis UMP. Il y a une démarche. C'est un type, on sent vraiment qu'il veut faire de la politique de terrain. Il veut pas, par exemple, s'il avait été prêtre, c'est pas un mec qui aurait fréquenté les ordres du Vatican. Il aurait été curé de campagne, si je me trompe pas. Caroline Diamant. Mais il m'a pas répondu. Comment ça? À quoi? Il n'y a pas de question. C'est quoi la question? Alors j'ai une question. Comment vous me trouvez? Attention, on pas de langue de bois. On ne regarde pas les caméras. Caroline Diamant. Alors c'est vrai que c'est rare qu'on dise ça sur quelqu'un qui est en politique. C'est mignon. Oui. Votre livre est mignon. Oui. C'est charmant parce que. Il y a une naïveté. Moi, ça m'a fait penser au film de Capra, Mr. Smith va au Sénat, avec James Stewart. Cette espèce de jeune comme ça qui veut révolutionner les choses, qui veut agir, qui veut parler. Je me suis demandé, alors c'est vrai que je suis plus âgée et vraiment quand je vais avoir fini ma phrase, on va se dire c'est une vieille peau, mais je me suis dit combien d'années... Surtout si elle est aussi longue que ça. Combien d'années va-t-il falloir pour que vous voyez la politique telle qu'elle est, que vous compreniez que vous ne pourrez rien faire? Voilà, c'était la question que je me suis posée. Alors, ça, c'est typiquement ce qu'on m'a dit au début. Honnêtement, je pense que c'est pas mal d'essayer d'apporter un peu d'oxygène. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Je ne suis pas un naïf. Je ne me fais pas d'illusions sur les rapports de force, sur les affaires, sur ce côté très violent de la politique. Mais en même temps, moi, j'y suis allé pour essayer d'apporter quelque chose d'un peu différent. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais c'est ce que j'essaye de porter. Donc, tant qu'à faire, je préfère pas abandonner tout de suite. Roger, Isabelle. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que vous n'avez pas une haute idée des footballeurs. Moi? Ouais. À un moment, vous parlez des salaires des députés qui sont, c'est vrai, ne sont pas mirobolants. Et vous dites, la politique traîne avec elle une image aussi déplorable, sans doute 10 000 fois pire que le moindre footballeur adulé par les foules et qui pourtant gagne des 1 000 et des 100. Mais je soupçonne bien des Français de penser qu'un footballeur est plus utile qu'un député. Oui, je suis lucide. Honnêtement, enfin, j'adore le foot. Je vous raconterai une petite anecdote après. Moi, je suis assez choqué par les salaires des footballeurs. Je pense que c'est le cas de tous les Français. Mais en même temps, je suis convaincu que les Français sont 4 000 fois plus choqués par les salaires des députés. Et pour moi, c'est une vraie remise en cause. C'est-à-dire qu'on pense que le député est vraiment totalement inutile aujourd'hui. Et quelque part, si je me suis engagé, c'est aussi parce que j'ai envie de remonter cette image de la politique. Je pense que la génération d'avant l'a beaucoup sali, qu'on a une accumulation d'affaires, de mensonges, de climat dur, qui font qu'aujourd'hui, quand on s'engage en politique, c'est vrai, il y a un petit côté sacerdoce, ou en tout cas, il faut avoir la vocation.
j'essaye de la garder. Une histoire sur le foot, au moment, enfin, juste avant l'été... Elle a intérêt d'être bonne quand on l'annonce deux minutes avant. Oui. Allez. Je pense que ça va vous plaire. Ah. Suez-Gaz de France, pour convertir les députés à l'opportunité de voter le projet Suez-Gaz de France, ont invité un certain nombre de députés à aller assister à la finale de la Coupe du Monde. Honnêtement, j'aurais rêvé et j'aurais donné tout ce que j'avais pour avoir un billet à cette finale. J'y suis pas allé parce que je pensais que ma liberté avait un tout petit peu plus de prix. Bah, c'est tout à votre honneur. Bravo. Moi aussi, j'ai rêvé. Ouais. Nous, on y serait allés. Avant d'elle. Ah, moi, j'y serais allé aussi. Qui vit Guillermo? Bah, là où je trouve le bouquin génial, c'est que ce mec est une... Enfin, monsieur le député, vous êtes une bouchée d'air frais. Et ça une fait du bien. Une bouchée, je ne vais pas le manger. C'est quand il va commencer... C'est vrai qu'il a croqué, mais excusez-moi, c'est vraiment un lapsus révélateur. C'est quand il va commencer à écrire les discours de Sarkozy qu'on va se parler. Non. Moi, là où c'est bien, c'est que j'en ai tellement marre des gens, et puis je suis pas le seul de ma génération à dire de toute façon, on ne peut rien changer en politique. C'est pas vrai. Il y en a marre de cet immobilisme. Et c'est bien aussi de voir aussi un jeune qui vient expliquer à d'autres la Constitution européenne. Enfin, je sais pas, mais on vous a vu beaucoup de fois dans les médias, que ce soit sur Pink TV, enfin dans plein de médias, divers et variés. Sur Pink TV. Sur Pink TV. Oui, je ne suis pas abonné, mais on vous a bien vu. C'est un débat pendant la Constitution européenne. Voilà, exactement, que j'avais vu. Voilà, mais c'est bien parce que c'est... Enfin, voilà, ça change. Ouais. Marre de tous ces mecs qu'on voit depuis des années, que je vois que depuis que je suis gamin, on les voit vieillir. On les voit dépérir à l'Assemblée nationale. Cela dit, c'est pas seulement à l'Assemblée nationale. Hein, il faut pas croire ça parce que vous taillez un petit peu. Ah, quand non, même. Ouais, juste, non, mais et puis surtout, je pense que enfin, on peut essayer de garder un minimum de distance et de l'oxygène. Et en même temps, être très lucide et essayer de secouer la poussière. Je suis très lucide sur ce que je fais et ce que je dis. Parce que vous dites beaucoup de bien à un moment de Ségolène Royal. Et puis derrière la première lame, là, il y a la deuxième. Et vous nous dites, à vrai dire, moi qui fréquente assidûment l'Assemblée depuis 2 ans, je ne la vois pas souvent. Elle ne vient que pour les séances de questions au gouvernement. Ça veut dire qu'elle donc bosse. C'est questions au gouvernement filmées. Je ne me permets pas de faire de jugement sur sa personnalité ou tous les trucs stupides qu'on entend sur Ségolène Royal. La seule chose, c'est que honnêtement, pour quelqu'un qui veut renouveler la politique, à l'Assemblée, je n'ai jamais entendu sa voix. C'est-à-dire qu'elle arrive quand les caméras de télé s'allument pour les questions au gouvernement et elle repart quand elles s'éteignent. Et ça, je trouve que c'est pas franc. Et vous confirmez que ça se vide une fois que l'émission est terminée? Au début, je comprenais pas. Enfin, c'est-à-dire, première séance de questions au gouvernement, je m'assois et puis les caméras s'éteignent, j'avais pas compris. Tout le monde part. Oh, je me tourne vers mon voisin et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah, enfin, c'est évident, les caméras s'éteignent. Ça, c'est scandaleux. Mais cela dit, j'en suis pas exempt moi-même. Hein. Et je m'aperçois aussi qu'au bout de 2 ans, je commence à rentrer dans le jeu. Il faut que je fasse sérieusement attention. Christophe. Bien, très bien. Très, très bien. Enfin, très bien. Très bien. L'accusation. Très bien. Non, enfin, pas mal. Moyen, disons, en général. sur les idées. Hein. Bon. Dans l'ensemble, j'ai trouvé votre livre très mauvais. Très mauvais, et puis très bien aussi. Mais c'est un livre qui est impossible à juger, comme le disait ma camarade tout à l'heure. C'est-à-dire que pour juger le livre, il va falloir vous voir dans 20 ans. C'est vrai que dans le livre, ça fait du bien, cette candeur, cette naïveté comme ça qui fait tout le charme des sarkozistes. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, vous trouvez que les députés passent trop de temps avec les médias qui travaillent pas assez. Bon, bah, bonjour. Voilà. Sur les compromissions, l'histoire du match de foot tout à l'heure, c'est quand même drôle. Franchement, vous êtes complètement con d'avoir fusé ces places-là. Et je suis sûr que dans 10 ans, vous avez des enfants, vous avez des garçons. Un garçon, le garçon, il va vous dire, mais papa, t'es complètement con, une demi-finale de Coupe du Monde. Et puis vous allez les prendre, les places. Et moi, ça me rappelle un roman de Sartre, Les mains sales. J'ai l'impression qu'en politique, de toute façon, à un moment donné, il faut mettre les mains dans la merde. OK. juste, ce que je crois, c'est que c'est une question de survie pour nous. Et que si jamais aujourd'hui, on s'engage en politique, soit on va faire autre chose, soit si on s'engage en politique, c'est pour changer un minimum les mœurs. Alors, je ne dis pas du tout que c'est facile, et peut-être que dans 10 ans, vous m'attraperez en me disant c'était facile de dire tout ça il y a 10 ans. Mais n'empêche que si je le fais, c'est pour ça. Parce que je pense que sinon, plus personne n'écoutera la parole politique. Tout à fait, mais bon, sans être pessimiste, ça ne marchera pas. Rendez-vous dans 20 ans, donc. Christine, bravo. Bah, on voit que ce qui revient plus fréquemment dans les reproches faits aux députés,
c'est que vous êtes très loin des réalités du terrain. Mmh. Et d'ailleurs, dans votre bouquin, vous dites qu'on vous dit, au fait, vous connaissez le prix de la baguette de pain. Alors moi, j'ai pris le prix d'un paquet de sucre. 1,50 €. Attendez, moi, je suis... 1,50 €. C'est pas parce qu'elle est loin des réalités, c'est... ça lui a interdit, elle fait du diabète. Oui, mais j'ai fait que je mange plus de sucre. Évidemment, mais il a gagné, c'est 1,46 €. 1,46 €. Voilà. Un ticket de métro, ah oui, c'est bien. Un ticket de métro au détail. Je vais vous faire une réponse très simple. J'habite pas à Paris. Oui, et quand ça, c'était la réponse de Stevie. Et quand je suis à Paris, je roule à vélo. Donc c'est à rien que je vous raconte des histoires, ce serait semblant. Mais sinon, je crois que ça doit être 1 €. 1,40 €. Un petit noir au bar. Un petit noir au bar, ça dépend si on le prend en Haute-Loire ou chez vous. Oui, en Haute-Loire, ça doit être un peu plus. On en est à 0,50 €. Oh, peu plus, les pourris à Paris. Un peu plus, un peu plus. 1,10 € à Paris. Un peu plus, même, un peu plus. 5 €. Non, 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 je raconte des histoires. 0,70 € à peu près. Et pour les Sarkozystes, un petit noir, ça vaut rien. Un litre de lait demi-écrémé. 0,90 €. Il a dû faire là une tronche quand t'as lui demandé du 60 lait. Centimes. Un croissant. Alors, au beurre. Un croissant, 0,65 €. Non, 80 centimes. Un préservatif. Un préservatif. Alors, je roule tout le temps. Vous n'êtes pas malheureux parce que votre femme va vous dire comment est-ce que vous connaissez le prix de votre préservatif. 80 centimes. 80 centimes le préservatif. Bon. Je trouve ça cher. Oui, enfin, c'est il y en a plusieurs prix. Et cela dit, cher Laurent Wauquiez, je trouve ça très bien. Vous êtes très très près effectivement des réalités de la vie, à part là-dessus. Dommage. Mais c'est très bien, bravo. À l'Assemblée nationale, petit manuel, à l'attention de ceux qui veulent secouer la politique. Merci. C'est chez Privé Édition, Laurent Wauquiez. Merci beaucoup. En dépit du développement tous azimuts du jeu en ligne en France, l'État entend maintenir intact son monopole sur les paris et les jeux de hasard. C'est pourquoi, la semaine dernière, deux dirigeants de sites de paris en ligne, des jeux sur Internet, hein, pour être très précis, des jeux illégaux, sur notre pays en tout cas pour l'instant, ont été interpellés à Monaco. À l'origine de cette... Ils ont été libérés, hein, heureusement depuis, mais quand même sous caution. Hein, c'est énorme, je crois, 300 000 euros. Voilà, exactement. À l'origine de cette plainte, le PMU, la Française des Jeux, qui pour l'instant a un monopole chez nous et qui ne veulent qu'aucune société de Paris ne vienne empiéter sur leur domaine réservé, y compris sur Internet. Cependant, l'affaire fait grand bruit depuis quelques jours et le monopole de la Française des Jeux est de plus en plus contesté, notamment par les casinos qui eux-mêmes voudraient pouvoir mettre en ligne des sites de jeux, pourquoi pas jouer au poker sur Internet. D'ailleurs, je croyais qu'on pouvait le faire, moi déjà. Vous allez m'en dire plus, Vandel, parce que vous connaissez ça mieux que moi, vous êtes plus joueur. Pour parler de ce sujet, on va accueillir tout de suite le président du directoire d'un grand groupe de casinos. Désolé Stevie, mais Martha Barrière n'a pas pu venir. Elle avait ses cours de step aujourd'hui. Voici Patrick Partouche. Bonsoir. Bonsoir. C'est qu'on n'a pas le droit normalement de faire publicité dans cette émission, mais vous, évidemment, c'est votre nom, monsieur Partouche. Plus compliqué, effectivement. Alors, on va citer Barrière. C'est quoi les trois groupes de casinos en France? Il y a Barrière. Tranchant. Tranchant, Moliflor. Moli quoi ? Moliflor. Je ne connais pas ça, Moliflor. Ce sont des groupes qui appartiennent à des fonds de pension étrangers qui sont déjà arrivés sur le territoire national. Donc voilà, mais on est quelques-uns à faire ce métier. Bon, et... Vous êtes deux. Vous êtes le numéro un ou le numéro deux d'ailleurs ? J'ai le numéro un, Stevie. Vous êtes le numéro un ? Ah, mais je ne serais pas là sinon. Vous êtes sûr ? Parce que les autres ne sont pas venus, donc dès que le sujet est un peu risqué, c'est souvent moi. Alors, en tout cas, vous êtes plutôt favorable à ces jeux sur Internet. On va donc réexpliquer, Vandel, qu'il y a deux personnes qui, en fin de semaine dernière, vendredi précisément, ont été arrêtées parce qu'elles sont des organisatrices. C'était les patrons de la société Bwin qui fait des paris sur Internet, mais ils sont allemands, enfin, ils font des paris autrichien, en Europe. Autrichiens et allemands. Et ils sont sponsors de l'équipe de football de Monaco. Ils viennent présenter le nouveau maillot avec le contrat de sponsoring et au moment où ils arrivent, les gendarmes sont là aussi et hop, les embarquent en disant « Messieurs, vous n'avez pas le droit de faire des paris sur Internet en France, sur le territoire français. » Ils ont été libérés contre 300 000 euros. Chacun.
Chacun. Chacun. Ah, chacun. Ils étaient deux. Oui. Enfin, ça va, on a de l'argent dans les casinos. Oui. Avec tout ce qu'on y perd, nous. Hey. Oui. Mais enfin, bon, vous savez que mon métier, c'est de faire jouer les gens. C'est, je ne suis pas une banque. Moi, on ne vient pas dans les casinos pour chercher de l'argent, on vient pour jouer. Dans les autres pays, comment ça se passe? Alors, la France serait un endroit unique où on ne pourrait pas jouer sur Internet? C'est ce que je dénonce, moi, depuis. Alors, aujourd'hui, on parle de ce sujet-là parce qu'il y a eu un très joli coup médiatique de la police et de l'État français. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet des jeux en ligne, il date de 1998. Vous voyez, donc ce n'est pas hier. Et depuis 1998, je n'ai de cesse d'alerter les pouvoirs publics, d'alerter ma tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur, en disant « regardez ce qui va se passer ». Voilà, donc c'est les prémices, c'est le tout début, mais ça va arriver en France à un moment donné. On n'est pas armé, on n'est pas structuré. C'est tout et n'importe quoi, parce que comme toujours, quand c'est clandestin, bah oui, quand c'est clandestin par définition, ça profite à des gens clandestins. Voilà, donc la seule manière de réguler, la seule manière d'arrêter cette clandestinité et ce grand n'importe quoi, c'est de réguler. Donc aujourd'hui, ma position, elle est très simple en fin de compte. Moi, j'ai rien contre le monopole de la Française des Jeux. Simplement, on m'empêche de lutter à armes égales avec des sites hébergés dans tous les pays possibles et imaginables qui font le même métier que moi, qui font du jeu. Et c'est vrai qu'avec Internet, on peut évidemment aller sur des sites étrangers. C'est la situation. Oui, mais il y a un problème, c'est parce qu'il y a quand même deux choses qui s'est passées récemment. Il y a un monsieur qui a gagné, je crois, 10 millions de francs ou 1 million d'euros en Normandie, on en a même parlé dans cette émission, que, grâce à un jeu de loterie américain. Or, il a joué lui aussi sur Internet. Bien sûr. Il a gagné, mais il a gagné en Normandie. Donc on aurait dû lui saisir si c'était vraiment illégal. Et il y a la Commission européenne aussi qui s'en mêle, puisque là, c'était la semaine dernière, je crois, où elle a dit, attention, elle a dit à la France qu'elle devait se mettre diapason par rapport aux autres pays européens et autoriser le jeu, puisqu'en Europe, maintenant, avec le libre-échange, il n'y a plus le droit au monopole. Que ce soit dans les transports, dans la distribution ou dans tout, ils vont être obligés de s'y faire. C'est un peu plus précis que ça. C'est que le jeu ne fait pas partie de la directive Bolkestein. C'est-à-dire que la libre circulation du jeu n'est pas encore autorisée par la communauté européenne, qui comprend tout à fait que l'offre de jeu doit être régulée, qui comprend tout à fait qu'on doit préserver les mineurs, qu'on ne doit pas faire trop de communication pour pas trop pousser les gens. Et dans ces conditions, les monopoles sont reconnus. Moi, je dis simplement qu'à partir du moment où la Française des Jeux n'obéit plus au fondement même de son monopole, il n'y a pas de raison que l'on m'oppose un monopole pour m'empêcher de travailler. Voilà, sauf quand on parie sur des compétitions sportives où des joueurs, des personnes humaines interviennent. Mais bien sûr que si. Comment est-ce que tu peux garantir l'éthique sportive quand tu sais que des millions de gens sont en train de jouer de l'argent sur toi? Comment tu peux être sûr que les gens ne vont pas acheter les joueurs, comme ça s'est produit, acheter les arbitres, acheter les dirigeants? Complètement le pari sportif. Non, mais au moins le limiter. Non, limiter. Moi, je veux faire un petit loto. Le fait qu'on arrête le pari sportif, parce que chose qu'on sait et chose qu'on ne sait pas, la famille Partouche est sponsor de l'équipe de Lille. Le LOSC. Mm-hmm. Ah oui? Oui, nous sommes sponsors. Ça se passe très bien. Ouais. Mais au-delà de ça, nous sommes actionnaires de l'équipe. C'est-à-dire que nous sommes propriétaires de plus de 40% de l'équipe de Lille. Trouvez-vous normal que le pari sportif soit autorisé en France uniquement pour la Française des Jeux, non, qui joue sur les matchs de Première Ligue, qui ne reverse strictement rien aux clubs professionnels, non, mais aux amateurs. Il reverse 300 millions... aux amateurs. Dont 250 millions pour le sport amateur français. Le sport amateur. Les amateurs. Oui, mais attendez, il y a des droits à l'image, il y a tout. Donc moi, je veux bien faire gagner de l'argent à la Française des Jeux. Je n'ai pas de souci avec ça. Moi, ce que je défends une légalisation française avec toutes les contraintes possibles et imaginables. Pardonne-moi, je suis absolument d'accord avec vous sur les casinos, c'est filmé, c'est contrôlé. Mais sur Internet, faites ce que vous voulez. Ah, mais quand on clique et vous dites que j'ai une chance sur 100 de gagner, qu'est-ce qui prouve que une personne sur 100 gagne? Les limites de l'exercice sont celles-là. On refuse de légiférer, on refuse de contrôler, on refuse de surveiller et on dit « il se passe tout et n'importe quoi sur Internet ». Je dis oui, mais il ne faut pas mélanger les causes et les conséquences. On légifère, on fait des textes et on les applique. Christophe à l'évêque. Ouais, on fait tout un pataquès avec ces deux mecs là qui ont été arrêtés à Monaco, quand même en échange d'une caution de 300 000 euros. Moi, je serai en taule déjà là. Ce qui me fait rire quand même, c'est que les deux mecs veulent porter plainte pour atteinte aux droits de l'homme.
Non, franchement, là, moi, j'étais prêt à vous soutenir, mais là, c'est visible. Moi, je suis pas. Moi, je non, suis pas c'est cette visible, société, moi. Tout ça. Les droits de l'homme. Bah, c'est vrai, non, mais c'est vrai, ils sont très menottés. On est des artistes, on se mouille. On va aller à Monaco défendre ces deux mecs. C'est vrai. Non, mais c'est maintenant, vrai. Maintenant, il en reste. Ils demandent simplement le droit de partager la galette. Voilà, c'est non, mais ce qui est hallucinant. Mais qu'ils le disent franchement, bon, il y a du fric, on en veut un peu. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'effectivement, on a arrêté les deux présidents de ce site-là. Il se trouve qu'un des deux, je me suis laissé dire que c'était un ancien ministre des Finances dans son pays. Donc je ne sais pas si vous imaginez. Quand même, on est loin des voyous, on est loin... Oui, non, ancien président des finances, ce qui est quand même gênant. C'est pas le fait qu'on les arrête, mais par contre, on a arrêté les deux. Seulement le lendemain, on pouvait jouer sur le site. Aujourd'hui, on peut jouer sur le site. Moi, demain, on jouera pas le nom sur du le site. Avant, ça leur fait donc c'est un très joli coup médiatique. Oui. Moi, ça me sert, parce que j'ai commencé à discuter avec l'État en 2001. On est en 2006. Oui, mais... Donc cette prise de conscience, elle est trop tard. Et puis, la piste qui est choisie n'est pas la bonne. Et quand on voit toute cette histoire, si on fait le tour, ces mecs donc ont pignon sur rue, donc parrainent des clubs de foot, veulent porter plainte contre la France. Les clubs de foot veulent porter plainte contre les mecs parce qu'ils ne leur reversent pas d'argent. Du coup, les clubs français veulent porter plainte contre la Française des Jeux parce que les mecs ne leur reversent pas d'argent. Les joueurs s'en sont mêlés, veulent porter plainte aussi contre... etc. Il y a un truc qu'il faut faire dans cette histoire, c'est avocat. C'est les seuls gagnants de l'histoire et ils ne jouent pas. C'est vrai. Maintenant, moi, en trois mots, ça va être très simple. Qu'est-ce que je demande quoi aujourd'hui? Je demande qu'il y ait une situation claire et cohérente. C'est-à-dire que les sites étrangers ne puissent pas attaquer le marché français sans rien reverser à la France. Ah, d'accord. Voilà, déjà. Donc moi, je suis disposé à le faire de la France, créer 1000 emplois dans 3 ans. Je m'engage sur 20% du produit redonné en prélèvement à l'État. Pourquoi 20% alors que nous, on reverse 60% dans les casinos 2 ouais. Pourquoi 20% tout ben simplement oui, pourquoi parce, pas que, 60 mais parce que je suis plus compétitif avec les sites étrangers. Donc si on doit se battre, il faut se battre avec les mêmes armes. Sinon, si le combat est perdu d'avance, il ne faut pas y aller. Tivi. Alors moi, j'adore les casinos. Bien, alors les oui, mais j'ai pas le droit d'y aller parce que je me fais engueuler. Martin m'a toujours dit, ma cookie, si tu veux gagner de l'argent casino, il faut que tu en achètes un. Donc c'est pas tout de suite. Ça, c'est un mot de mon père. Il y a quelques années, c'est un mot de mon père qui a dit pour gagner au casino, il faut en acheter un. C'est pas Martha, elle a repris parce qu'il était joli. Comment il vous appelle, Martha Barrière? Ma cookie. C'est pour ça qu'il vient pas c'est jouer chez nous, hein. Moi je l'appellerai pas comme aussi, ça. Aussi, je suis venu, j'ai perdu 400 euros, elle. Caroline Diamant, elle passe derrière, mais trois pièces, elle ramasse ma mise. J'étais vert, bah oui, tu t'en je te connaissais, j'aime pas l'argent que je ne connais pas. Elle savait qu'il fallait passer derrière vous pour ramasser. Voilà. Donc, merci de m'avoir donné merci, M. Partouche. Je vous avais bien expliqué, non, c'était très clair. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Ah, écoutez, merci. Vraiment, alors là, impeccable. Hein. Vous laissez l'enveloppe sous la table, comme d'habitude. Comme toujours. Merci beaucoup. Au revoir. C'est une des meilleures espoirs du tennis féminin qui va maintenant nous rejoindre sur ce plateau. Elle n'a que 18 ans, mais son palmarès est déjà impressionnant. Elle a fait sensation dans les plus importants tournois du Grand Chelem et commence sa saison sur les chapeaux de roue avec un superbe quart de finale à l'US Open. Il y a quelques jours, on dit ça y est, elle gagne, elle va jusqu'au quart. Elle s'appelle, vous la connaissez déjà, Tatiana Golovin. On l'a souvent comparée à Anna Kournikova. La grande différence avec la joueuse russe, c'est qu'elle, elle gagne des matchs et qu'elle ne fricote pas avec Henrique Iglesias. Remarquez en même temps. Bon, voici Tatiana Golovin. Bonsoir. Je me souviens, nous avions déjà eu la chance de vous recevoir sur ce plateau. C'était en 2004 pour l'Open Gaz de France. Hein, c'est bien ça. Vous n'étiez pas encore majeure. Non, j'étais blonde aussi, non? Ça y est, les gars, elle est majeure. Ah ouais. Allons-y. Vous avez changé de coiffure, vous avez Ah, là, vous n'êtes plus la même. Hein. C'est vrai, ouais, autant changer. On sent la maturité. Là. Et puis le fait que maintenant, ça y est, vous gagnez. Bah, j'essaye, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est-à-dire que... Non. C'est-à-dire que rien du tout. Continuons comme ça, c'est très agréable. Ah non, il faut on vous méfier. On voit votre petite culotte. Ah bon? Dans l'axe. Mais non, ça ne me dérange. Non, franchement, ça ne me dérange ça, pas. Ça, non, mais ça. Bah, nous, ça nous arrangerait que vous changiez de côté avec elle. Ah,
à la mi-temps, comme au tennis. Le mec qui connaît rien. Balle neuve. Bon, alors, en tout cas, voilà, vous gagnez maintenant. Là, il n'y a plus de critique possible avec ce qui s'est passé à l'US Open. Non, c'est vrai que je fais vraiment des très bons résultats. Et puis, j'adore le tennis, donc ça m'aide de gagner des tournois. Et que... Vous voyez, vous regardez toujours là-bas, non? Non, mais donc... Je ne vais pas me concentrer. Non, mais j'ai beaucoup travaillé, donc c'est vrai que ça fait plaisir quand les résultats se montrent. Alors, rappelons que vous êtes né à Moscou, mais que, quand même, votre cœur est français maintenant. Oui, bien sûr. Ouais. J'adore Paris. Surtout, j'adore la France. Vous êtes française? Bien sûr, toujours. Bon, Roger Zabel, est-ce qu'elle joue bien? C'est quoi sa spécialité, Roger? Oh, bah, sa spécialité, le tennis. C'est le tennis, oui. Pour vous situer son niveau, pendant Flushing, elle est 22e mondiale pour le moment. Pendant Flushing Meadows, elle a joué, au moment où elle a joué, perdu son quart de finale, elle joue à peu près au niveau des 10 premières mondiales. Et on peut espérer, si elle continue sa progression, elle n'a que 18 ans, on peut espérer qu'elle monte dans les premières joueuses, toutes premières joueuses, d'ici un ou deux ans. Voilà. J'espère. C'est vrai qu'il faut rester. J'ai eu une petite blessure en début d'année, donc je n'ai pas pu beaucoup jouer. Donc c'est vrai que c'est important de rester en bonne forme. C'est ça qui vous avez déjà joué contre Amélie Mauresmo? Oui, j'ai joué au Gaz de France. J'avais même balle de match contre elle. Et vous avez perdu? Et ouais. Ah, merde. Oh, et les sœurs Williams? Aussi, j'ai battu. Pas les deux en même temps? Non, pas en double. Alors sa grande copine, c'est Sharapova. Ah oui, mais... Alors, elle est très forte, elle aussi. Sharapova est très forte. Et elles ont un point commun, c'est qu'elles ont commencé dans la même académie avec Nick Bollettieri. Ouais, on a grandi et qu'elles ensemble. Se sont pas quittées depuis. Mais c'est pas le grand amour. Hein. C'est quoi le pas grand amour avec qui? Ben, parce qu'elles n'arrêtent pas de se tirer la bourre entre elles. Non. On a grandi ensemble, donc on était très bonnes amies dans l'enfance. Et puis après, ben, on a un peu pris nos voies. Enfin, amis, quand vous vous êtes donné votre entorse et que vous étiez en train de vous tordre de douleur de l'autre côté, elle était au fond du cours, là, et elle tapotait comme ça en attendant que ça reprenne. Elle n'est même pas venue prendre des nouvelles de vous. C'est une garce, cette fille. Enfin, c'est vrai que c'était pas très sympa de sa part, mais bon, je suis pas là pour. C'est une salope, dites-le maintenant. Non, c'est vrai qu'elle aurait peut-être un peu plus, elle aurait dû venir quand même. Et puis elle n'arrête pas de crier. C'est insupportable. Ah, moi, je me suis plaint quand j'ai joué contre elle à l'US parce que c'était beaucoup trop, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle se crispe quand elle fait ça. Donc... J'ai lu ça que vous étiez plaint. Mais on se plaint auprès de qui en disant elle crie trop fort, monsieur? Non, mais au juge arbitre. Enfin, ça vous dérange, vous, quand elle crie trop fort? Bah, dans les points difficiles, ouais, à la fin, elle crie vraiment trop. Mais frappez au mur, dites quelque chose. Ouais. Vous ne vous dites pas entre vous, si vous êtes. C'est le même circuit, en plus, elle parle russe et vous aussi, vous le dites pas. Ta gueule? Oui, mais oui, bon, doucement. Chacun fait son truc, hein, si ça l'aide, si c'est comme ça qu'elle gagne des matchs, on ne peut pas lui dire de ne pas le faire. Christine. Eh ben, et moi, je suis très surprise parce que Tatiana Golovine, je la connaissais pas du tout. Golovine. Golovine. Ah, pardon, Golovine. Non, mais parce mais que. Golovine, ça lui va bien aussi. Oh la bombe. Tu l'avais préparée depuis un moment, celle-là. Je croyais qu'elle s'appelait Golovine. Quand j'ai. Oui, c'est ça. Et mon cul, c'est du poulet aussi. Non, je te promets. Je savais pas du tout qu'elle joue au tennis, ni rien du tout. Parce que je regarde plus, parce que je m'emmerde et qu'il y en a qu'une que j'aime. C'est Amélie Mauresmo. Vraiment, je suis fan. J'adore cette fille. Et je dois. Reconnaître que vous êtes aussi sympa qu'Amélie. C'est-à-dire que Marie Pierce, moi j'en peux plus, ça se prend le chou, elle était venue ici, elle te regarde à peine de haut, elle répond avec un accent anglais, ça m'énerve. Elle est russe, elle parle bien français, elle est totalement française, même si elle habite à Miami et tout. Et alors dans la loge, j'ai cru que c'était la coiffeuse, tu vois. Non mais elle est arrivée avec une casquette, je te jure. J'ai cru que la joueuse de tennis, c'était l'autre, la blonde. Ma sœur, ouais. Ah, c'est votre sœur? Oui, c'est parce que comme j'ai vu des photos de les vous. Les sœurs Golovine. Quoi, c'est connu les sœurs? Ah ouais, bien sûr. Ah ouais. On est comme les nouvelles sœurs. Les sœurs. Ah oui, ah oui, oui. Tolstoï. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah oui, mais c'est tellement simple. Alors donc, elle est arrivée donc. Ah, elle n'a pas fini. J'ai parlé à sa sœur en pensant non. que c'était finalement, elle. Finalement, t'es aussi chiante que le tennis moderne, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir. Il s'est passé que je lui ai demandé, voilà, deux, trois trucs. On s'est mis à parler de gonzesses et j'ai pas vu une star arriver alors qu'elle est une star potentielle. J'ai pas vu une nana qui se la pète. Elle restait pas dans sa cabine de maquillage là-haut parce que ça avait plus marré d'être avec les nanas en bas et de rigoler et de parler fringues. On a parlé chiffon, ah où tu t'achètes tes fringues et tout. Et moi, après, on me dit c'est la championne. Je dis merde.
Et elle était... Cela dit, elle était bien contente quand on est venu la débarrasser de... Mais toi, c'est n'importe quoi. Et alors, et toi? Et lui, il m'a dit, la bourrique, tiens, demande-lui des nouvelles de son mec, Ricky, là, avec Ricky. Mais, et l'autre, ah ben, je dis, si voilà. Si on parle de garçon, demande-lui des nouvelles d'Andy Roddick. Voilà, ah. il voulait pas vous poser la question, il m'a dit, dis-lui, ah, espèce de pourri. Alors, comment il va, Roddick? Roddick. Il paraît que vous étiez ensemble et que vous l'avez largué, est-ce que c'est vrai? Non, on était amis. Ouais, on est toujours amis. Amis, ça veut dire quoi dans le tennis? C'est comme ça veut dire partout, hein, pas que dans le tennis. Pas partout. Bah, dans amis. Oui, mais copains. Vous étiez, c'était votre mec. Non, on n'est jamais vraiment sorti. Et vous avez pas. Ah, vous êtes jamais sorti avec un mec? Avec un mec, non, avec Roddick. Dans le circuit, il n'y a pas des histoires d'amour? J'essaie un peu d'éviter les joueurs de tennis, quand même. Ça devient un peu bizarre. Vous essayez un peu d'éviter, c'est vrai qu'il y en a pas mal. La raquette, c'est... Vous m'avez eu. La raquette, c'est déjà un petit ami. Oui. Oh, bravo, Laurent. Comme elle est sympa. Voilà, très sympa. Ah, est-ce qu'il est vrai que vous recoupez vos tenues de tennis et qu'à une époque, pour être un petit peu dans le coup, vous recoupiez vos t-shirts, vous baissiez les jupes pour avoir une taille basse? Quand j'étais plus petite, ouais, je faisais un petit peu ça, mais maintenant, c'est vraiment mis d'accord sur... Ils ont fait une ligne pour vous, en fait. Voilà, exactement. Donc, je me plais beaucoup dans... Caroline Diamant. On a forcément, quand on commence dans ce métier, comme j'imagine les comédiennes, une star, quelqu'un qu'on rêve de dégaler peut-être. Qui était cette joueuse pour vous? Et après, j'ai une petite question sur vos entraîneurs. J'ai toujours adoré André Agassi et Steffi Graf. Et en fait, quand j'ai travaillé avec Rod Gilbert il y a quelques années, j'ai eu la chance de jouer avec et puis de les connaître. Et c'est vrai que pour là, je me suis vraiment dit que j'ai plus ou moins réussi parce que j'ai rencontré mes idoles. Et là, vous étiez là pour sa retraite en plus. Oui, exactement. Vous étiez dans les gradins? Non, j'étais en train de faire mon vélo. J'avais juste fini mon match. Et c'est vrai que c'était un peu bizarre parce que j'étais super contente d'avoir gagné. J'étais en quatrième tour. Et là, je le vois qui sort du cours en larmes avec son speech et tout. Et c'était vachement émouvant. Donc c'est vrai qu'on était, je me rappelle, il y avait tous les joueurs qui étaient dans les vestiaires, qui l'avaient attendu qu'ils viennent parce qu'il avait refait un speech. Et c'est vrai que c'est une grande légende qui est partie, quoi. Et alors, visiblement, vous enchaînez les entraîneurs à un rythme assez soutenu, un qui reste 8 mois, l'autre qui reste 4 semaines, 4 matchs et hop, il dégage. Est-ce que vous pensez être une casse-couille ou est-ce que vous pensez que vous n'avez besoin de personne en entraînement pour réussir et pour atteindre vos buts? Je pense que j'ai toujours été très indépendante et surtout que je suis vraiment exigeante par rapport aux personnes qui travaillent avec moi parce que je suis très exigeante envers moi-même. Et c'est pour ça que quand je pense que la personne ne peut pas m'aider, je ne veux pas perdre mon temps et perdre leur temps aussi. Et vous en rendez compte assez vite, en fait. Ouais, ouais. Mais est-ce qu'il y a dans l'histoire du tennis une femme qui serait devenue numéro un sans un entraîneur à ses côtés? Mais en fait, j'ai un entraîneur, j'ai un entraîneur physique, j'ai toujours mes kinés qui me suivent avec moi, j'ai ma maman aussi. Donc, c'est juste que l'entraîneur... Vous aimez bien qu'on vous lâche de temps en temps. Ouais, j'aime bien, j'aime bien avoir un peu mon indépendance. Stevie! Alors, votre meilleure performance, je crois que c'était cet été à l'US Open, où vous avez atteint les quarts de finale. Est-ce que... Bon, c'est votre meilleure performance, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit j'irai peut-être pas plus loin, je m'arrêterai là, ou est-ce qu'il y a justement, ça demande encore plus de travail? 18 ans, ouais. Bah ouais, mais en même temps, il y a 18 ans... Allez, je prends ma retraite. Non, mais il parle du tournoi. Est-ce qu'on se dit, si je veux arriver, parce que je sais que vous êtes une tête de mule et que quand vous avez une idée dans la tête, vous l'avez pas dans la raquette. Mais ouais, vous êtes plutôt ambitieuse. Alors, est-ce que vous mettez justement les bouchées doubles dans les entraînements? Les bouffées doubles. Les bouffées. Alors, non mais j'ai toujours eu des rêves étant petite de devenir la meilleure joueuse que je peux être et c'est vrai que quand on n'arrive pas... Comment? Le numéro 1, bien sûr. Parce qu'à mon avis, c'est vous qui vous êtes la future Maurice Mou. Enfin, vous êtes... J'espère déjà le numéro 1. Comment ça s'appelle? La réincarnation, non? C'est la relève. Excusez-moi, c'est les antibiotiques, ça me sonne à tout. Ah ouais. Tous les jours. Vous préférez la terre ou le gazon? Le gazon. C'est dégueulasse comme question. Franchement, parce que il paraît que ça va plus vite, l'herbe. J'ai jamais compris. Bah, tu joues avec les deux mains, toi. J'ai jamais compris pourquoi l'herbe, ça allait plus vite que la terre. Parce qu'en fait, ça rebondit moins vite, enfin, moins haut. Attends. Ça rebondit moins haut, et puis la balle, elle fuse. Vandel. Alors, vous avez une triple culture. Vous êtes à la fois... Vous étiez russe, vous êtes venu en France, donc vous parlez français, et à l'âge de 7 ans, vous êtes parti aux États-Unis. Vous avez une triple culture. Culture américaine. Qui sont en pointe sur le dopage depuis les années 80, russe qui était en pointe sur le dopage avant la chute du rideau de fer, et française qui est en pointe dans la lutte anti-dopage.
Qu'est-ce que vous pensez du dopage? Non, mais je pense que le tennis, c'est quand même un sport assez clean et je pense qu'il devrait rester comme ça. Maintenant, je pense que la santé, c'est la priorité. Et puis, je ne pense pas qu'il faut non plus exagérer avec le dopage. Quoi. Il faut pas. Moi, je suis complètement contre et je n'aime pas du tout quand il y a ces rumeurs qui courent, et même sur les joueurs de tennis, parce que je trouve ça que c'est dégueulasse. Et que c'est pas bien. Nous, on a du dopage à la télévision. J'ai un nom à vous citer, Jérôme Bonaldi. Ça y est, la saison recommence, c'est les choux-fleurs. Oh. Le chou-fleur de Bretagne. D'accord. Vous aimez le chou-fleur ? J'aime bien le chou-fleur. C'est bien pour la poitrine, non ? Oui, c'est très bon pour tout. Bon, le chou-fleur, ouais. C'est plein de vitamines, d'oligo-éléments. Et pour l'Open Gaz de France. Alors, je m'inscris en faux. On a beaucoup travaillé sur le chou-fleur. L'odeur un petit peu acide et difficile qu'il y avait, c'est terminé. C'était une des phrases de mon spectacle. Je disais, le chou-fleur, ça pue quand tu l'achètes. Le chou-fleur, ça pue quand tu le cuisines. Le chou-fleur, ça pue quand tu le manges. À la limite, c'est quand tu le pètes que ça sent moins. C'est faux. C'était vrai. On a beaucoup travaillé sur le chou-fleur. On a enlevé toutes les mauvaises odeurs, y compris celles derrière. Ça n'est plus flatulent. C'est légèrement carminatif, mais ça n'est pas flatulent. Bon appétit. Et pour renouveler le chou-fleur, regardez. Oh. Le chou-fleur orange. Le chou-fleur en couleur. Et le chou-fleur violet. Oh. Parfaitement naturel. Il n'y a pas d'OGM dedans. C'est un jour un paysan breton. Il voit dans son champ de chou-fleur, oh, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a? Il a plein de carotène, il le goûte. Il dit, tiens, c'est marrant, c'est sucré, c'est pas mauvais du tout. C'est en fait une aberration de la nature. Un petit truc comme ça, la nature toute seule, elle fait ça. Plutôt que de le jeter, il s'est dit, on va le cultiver, c'est rigolo. Ça va faire un petit sujet dont on a tout essayé. Ça va faire peut-être relancer les ventes, ça va amuser les enfants. Ça va faire redécouvrir le chou-fleur. Bien sûr, Bonaldi, surtout. Voilà, il n'y a rien de GM dedans. Autre chose. Alors, ça s'appelle Cri-Cri. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est un petit jeu fabriqué vachement malin. Vous prenez une feuille de papier, n'importe laquelle. Vous prenez Cri-Cri. C'est une sorte de petite bestiole, regardez. Touk, 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 touk. Vous avez vu comment elle fait? Il suffit de mettre un feutre, n'importe quel feutre. On va mettre un feutre rouge. Je vais en mettre un deuxième ici, ça va faire joli parce qu'on peut mettre plein de feutres où on veut. Faut mille feutres ici, alors. Ici, voilà. Vous appuyez sur le petit bouton et vous vous rappelez du spirographe quand on était petit? Ça vous fait le spirographe tout seul. Hop, c'est bien pour les gosses qui vont refaire tout le parquet. Ouais, mais vous mettez des feutres lavables. J'ai pas en train d'y penser. Là, ça va bien. Autre chose. Autre chose. Arrête-toi, il suffit d'appuyer sur la queue pour arrêter. Voilà. J'en connais d'autres. Elmo a 10 ans. Ça, c'est fait. Elmo a 10 ans. Et pour son 10e anniversaire, voici le nouvel Elmo. Il rigole. Génial. J'adore. Il se marre et c'est... et c'est super communicateur. Il fait comme ça. C'est génial. Vous pouvez l'offrir à Tatiana. Oui. Et franchement, j'espère, Tatiana, que vous penserez à nous quand vous ferez rire. Toujours, hein, toujours. Voilà. En plus, j'ai plein de petits-neveux et tout. Donc, ah bah merci, si c'est pour refiler. Non, c'est pas... Moi aussi, j'ai plein de petits-neveux, ça va. Je garderai avec moi. Je on remercie fait. Jérôme Bonaldi de tout. Merci. C'est l'heure du Kika Vuki. Kika Vuki quoi? Hein, vous êtes déjà venus chez nous, regardez le classement. Ici présent sur le plateau, c'est Roger Zabel et Caroline Diamant qui sont les mieux classés. Regardez en bas du classement, Christine Bravo, faut vous réveiller Christine. Peut-être que Tatiana va vous aider. Elle va me donner. Attention, regardons la première photo. De qui s'agit-il? 100 points. Alain Juppé. Alain Juppé, ça a été le premier. Stevie Boulet, bravo. 100 points pour Stevie. Photo suivante. Oh, 200. La femme de Blair. La femme de Blair, 200 points, bravo. Donnez-moi à qui donnez-vous 200 points? Je donnais à vous. Mon cœur, j'ai 200 points grâce à elle. C'est formidable. Photo suivante. Merci, Tatiana. Ah, de qui s'agit-il? 100 points. Bah, Hollande, c'était Stevie le premier, 100 points supplémentaires. En 78, Aléna avec Ségolène. Déjà, ils étaient ensemble dans la même promotion. Très mignon. Photo suivante. Ils ont dû s'amuser dans la vie, eux. Combien de points? Ah, ça vaut bien 500 points, ça. C'est un écrivain? Non. C'est un couturier, c'est Pierre Cardin. Pas du tout. C'est un homme politique. Photographe? Non. Il est vieux? Il a 73 ans. C'est un artiste. Il est américain. Il est américain. Et c'est un artiste, il a une dégaine d'artiste. Oui.
Il paraît que quelqu'un a dit photographe. Oui, je l'ai dit, moi. Il est photographe. Eh ben, je sais pas qui c'est. Alors, moi, je vais te dire. Eh ben, alors, attendez. Oui, c'est celui qui fait les noirs et blancs de Marilyn. Non. C'est pas David Hockney. Non. C'est pas... Il y a un rapport avec Marilyn Monroe. Herbrit. Non. C'est pas... Mais non, Herbrit, il est très beau. C'est pas Maple Gord. Non. Attendez. J'ai rien fait, moi. C'est tennis. Franchement, vous devriez trouver, vu son nom. Ah, alors, Helmut Gross. Non. Non. Hamilton. Hamilton, exactement. David Hamilton. Pourquoi j'aurais dû trouver Hamilton. Oh, dégueulasse. Je sais pas, c'est quoi, Hamilton. Un point pour Caroline Diamant. Ouais. Mais j'ai pas trouvé, c'est qui? Un point pour Christophe Alévèque. Un point pourri. Ouais. Attends, on se crève là pour un point. Vous voulez un peu plus qu'un point? Tatiana Golodine. Bah oui, oui, 1000. Je vous donne un point et un chou-fleur. T'as vu comment je l'ai rattrapé? À demain. Merci Tatiana Golodine.